Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel accord parfait du sommelier Oncle Bacchus. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un accord plutôt classique entre le vin et l'agneau. Alors, l'agneau est une viande assez particulière, c'est vrai, assez forte en goût. Et par rapport à ce type de viande, on va essayer de chercher des vins rouges, plutôt à fort caractère, plutôt corsés, et notamment sur un gigot qu'on va cuire avec une cuisson un petit peu rosée, où on a vraiment le côté juteux, assez prononcé, où on l'accompagne assez souvent d'un jus serré, aillé, avec des petites notes de thym, de laurier, qui rappellent le côté garrigue. Et donc, pour moi, il va falloir se diriger donc vers des vins structurés qui vont déployer une belle puissance, mais dont l'élevage doit être digéré. J'entends un élevage digéré par des vins plutôt de garde, idéalement d'une dizaine d'années, qui ont digéré l'élevage en barrique, qui seront pas trop boisés avec des tanins un peu soyeux. J'ai décidé donc pour notre gigot d'aller dans la région bordelaise, sur une appellation connue comme Saint-Julien, et ici avec le château Lagrange, millésime 2011. Pour le petit côté clin d'œil et puis pour votre géographie, on est sur une appellation qui jouxte Pauillac, où on a vraiment une région productrice d'agneaux notamment, et on y retrouve souvent des vins de belles structures, qui témoignent vraiment de tout le savoir-faire bordelais, et qui va de la vinification à l'élevage en barrique. Et je vous propose de passer à la dégustation de ce vin. Alors pour ce vin, on a une jolie robe grenat avec de beaux reflets acajou, signe d'un beau vieillissement pour ce vin. Au nez, on a des petits côtés grillés, torréfiés, des petites notes de fruits rouges également, voilà, signe d'une belle complexité pour ce vin. Et en bouche, on retrouve un vin assez tendre, rond, onctueux à la fois, qui débouche sur de beaux tanins assez soyeux. On retrouve aussi dans une belle finale avec des notes boisées, cacaotées, je dirais, voilà. Une belle persistance aromatique pour ce vin, qui en fait un joli vin qui va accompagner, j'en suis certain, un beau gigot d'agneau. Alors c'est bien fait, on a vraiment la grande maîtrise qui atteste d'un beau savoir-faire. Voilà, pour un château qui, il est vrai, d'une grande régularité dans ses vins. Alors pour traiter convenablement de cet accord entre le vin et l'agneau, je me dois aussi de vous parler d'une cuisson qui est un petit peu différente, qui sont les cuissons lentes de l'agneau, qu'on retrouve notamment dans la souris d'agneau par exemple, ou alors le gigot de 7 heures. Alors ce mode de cuisson va développer dans la viande des arômes plus confiturés, voilà, avec des concentrations qui rendent la viande un peu plus giboyeuse, je dirais. Et là, on va pouvoir s'amuser avec des vins un peu moins sages, moins consensuels. On va sortir les épices, les muscles, apporter de la complexité à cet accord. Et donc, si le budget le permet, vous allez pouvoir marquer le coup avec des vins, notamment de la côte rôtie, avec des concentrations, une belle élégance, avec notamment un coup de cœur pour moi sur les vins du domaine Gangloff. Voilà, des vins qui marquent à chaque fois. Mais si on veut rester donc plus raisonnable, je dirais, un peu plus accessible, je vous orienterai bien vers des vins du Languedoc, avec des syrahs vraiment pleinement maîtrisés, et pourquoi pas partir sur le domaine du Clos des Calades, avec un vin qui m'a bluffé, voilà, il y a déjà 3 ans au cours d'une dégustation. J'aime le servir à mes invités quand le menu le permet, et donc on est sur sur la cuvée Lestrade, millésime 2014. Alors c'est un vin qui nécessite une bonne oxygénation, un carafage avant le service, voilà, vraiment pour éliminer toutes ces petites ce petit côté réduction qui a amené ce vin vers cette belle trame, mais qui sont pas utiles à la dégustation du vin. Alors on a un vin assez généreux, épicé à la fois, avec le côté un peu maturé. Voilà, maturé dans un style que je qualifierais de rock and roll, sur une dégustation vraiment
qui interpelle, alors qui va vraiment se marier à perfection avec notre gigot d'agneau. Et c'est vraiment là le but d'un accord mets-vins, c'est de venir sublimer le morceau de viande. Et c'est vraiment ce que fait l'Estrat millésime 2014. On s'ennuie pas. Voilà pour notre accord autour de l'agneau. J'espère vous avoir donné envie de cuisiner. N'oubliez pas que le vin reste un plaisir, que nos émotions peuvent être toutes différentes. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire vos vins préférés sur cette belle viande. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel accord parfait. D'ici là, ciao ciao !